Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le SA. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Pas gouvernabilité hein, qui s'allie. Est-ce que tout secteur, ou bien pif dans le secteur météo d'accord sous lit, qui sera capable de permettre de créer un climat stable, très certainement qu'à faciliter l'élection faite, qu'à faciliter la création de richesses, qu'à faciliter un pays qu'il fait bon pour le monde vivre. C'est ça que nous allons regarder matin, dans mise au point, avec une personnalité bien indiquée, le porte-parole du Premier ministre Jean-Henri Séan, Pascal Adrien. C'est lui qui est avec nous, dans mise au point sur Télévision Nationale matin, pour répondre à une question autour de PAC gouvernabilité, Forum SAA, qui prévoit lancer mardi 22 janvier 2019. Là. Pascal Adrien, son plaisir pour nous matin, sur TNH. Bonjour Sergino, son plaisir partagé, comme toujours, pour que nous brassions l'idée autour de ça qui concerne l'actualité moment, le pacte de gouvernabilité et le forum qui va se tenir à partir de 9h aujourd'hui. Parfait. La primature se porte bien. Bon, et ferme au poste, ferme à la barre, ferme au rendez-vous historique. Parce que assumer des responsabilités, c'est ça. C'est comprendre les responsabilités et prendre toute disposition pour que vous délivrez marchandises là, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, nous estimons que nous sommes en route là. En termes de leadership et dialogue là, en termes de volonté pour que tout acteur rejoigne un consensus, effectivement, au niveau de la primature et pour me plus précis en ce qui concerne le Premier ministre, eh bien, il n'est pas ménagé en quel effort, en quel sacrifice pour que. Non pas aller chercher un crédit personnel comme monde qui a une capacité pour faire mon chita, pour joindre un résultat en quelque sorte, mais c'est plutôt dans l'intérêt pays. Dans l'intérêt pays, arriver à faire un dépassement, oublier notre petite personne pour que l'acteur se sente en confiance. Et à ce moment, pour nous dire, comme c'est nous-mêmes comme Haïtiens qui supposons mettre tête nous ensemble pour nous dire, mais qui route n'a fait à pays, eh bien, que nous commençons chita. Et, quand pile difficulté, quand pile problème, notamment au niveau politique, nous n'avons pas forcément remé l'autre, nous n'avons pas forcément d'accord avec l'autre, mais Jean PM n'a remé dit là, c'est parce que nous n'avons pas d'accord avec l'autre même qui fait que nous avons une nécessité pour nous commencer chita, pour que nous dialoguer. Donc, malgré les difficultés, le Premier ministre lui-même, depuis le 21 novembre, lorsque le président a fini officiellement bali mandat pour que li mène processus dialogue là, il te prend bâton pèlerel chita avec différentes personnalités de tout secteur dans vie nationale là et jodi a encore cette démarche ça qui a continué sinon que à travers forum là son opportunité pour tout le monde connaît exactement quel est le bilan à mi-parcours ça veut dire. Le processus qui commence le 21 novembre, jeudi à là, qui côté nous arriver. Le 21 novembre à jeudi à, qui ça nous fait? Le 21 novembre à jeudi à, il est question pour le Premier ministre d'abord de faire, ça nous est capable une cartographie de acteurs. Ça veut dire, lors de la société haïtienne, avec qui secteur que on a fait et qui ensemble de monde qui est dans la dynamique bataille dans le secteur ça. C'est à partir de ce moment, tu as gagné trois secteurs que tu es arrivé à identifier. D'une part, le pouvoir, à travers toutes les composantes que tu as gagné, exécutif, législatif, judiciaire et autres. Mais d'autre part, les gens qui inscrivent dans la dynamique d'opposition, des gens qui parlent dans le pouvoir et qui parlent d'accord tout avec les gens qui sont au pouvoir. Yo. Et finalement, la société civile dans toutes les composantes que tu as gagné. On a parlé d'organisation de base, que ce soit les jeunes, les paysans, les femmes, on a parlé de l'église, etc., etc. Sans ne pas oublier tout, le secteur privé des affaires. Le PM, avec son équipe, évidemment, définit, identifier tout secteur ça. Maintenant, c'était le moment de prise de contact avec des gens qui sont représentatifs du secteur ça. Et ensemble de l'idée qui a commencé à brasser dans sa santé capable de pré-dialogue, ça, nous n'avons pas voulu rester à l'oral. Voilà pourquoi le Premier ministre a estimé l'opportun
même les en Haïti nous surtout une tradition d'oralité, n'a pas parlé dans radio, n'a pas parlé dans télévision, mais comme ça qu'a fait là son démarche institutionnelle qui a appelé à un impact sur l'avenir, sur la postérité, pour le ministre a estimé opportun pour que ensemble les ça yo minimum de points de rencontre que yo gain entre eux pour que yo fait l'objet de yon document qui c'était la proposition de pacte de gouvernabilité. Ça veut dire on fait diagnostic problème pays à tous les niveaux politique, social, économique et on commence à garder qui minimum de consensus nous capable joindre sous base différents éléments que moun yo te mettez sous table là. Et à partir du moment où tu gen ça comme premier draft, au fur et à mesure qu'on rencontre moun, et bien c'est autour de draft ça qu'on rencontre yo. Ou pas rencontrer autour du vide et gen des moun k'ap enrichi. On ajoute ça, on retire ça et la trier. Et à partir du moment que premier ministre l'a vinn voyer lettre officielle by parti politique by différents secteurs organisés pour Yoshita, c'était justement Yoshita autour de ce document. Mais document ça, son document nous était déjà élaboré ou bien c'est après une réunion contre les secteurs nous mettons d'accord sur document ça. Quelque part c'est résultat ça Sergino pensait, ça Pascal pensait, ça différents l'autre monde qui gagne responsabilité pour que nous converger j'effort pour nous faire société à aller de l'avant, c'est résultat de ça. Ça veut dire que c'était déjà un consensus de base. Différentes propositions, ils sont capables de département à bien des égards, mais qui côté ils rencontré. Donc c'est un effort de rencontre à mi-chemin dès le départ, cette proposition de pacte de gouvernabilité. Mais pas oublier, dans toute dynamique ça que nous avons indiqué là, il est question de le premier ministre qui rencontre les différents secteurs, j'en désire au départ là. Il y a un défaut que nous avons dans le pays à des fois, et moi suis bien content là que nous avons parlé de TNH qui a une couverture nationale. Généralement, nous tentons de résumer Haïti à Port-au-Prince. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a de grandes personnalités à Port-au-Prince, Yoshita, yo réfléchi. Et ça que vous entendez sur l'IA, vous fait le passé pour un consensus national. Voilà pourquoi. Parallèlement à différents chita attendez ça yo que premier ministre n'a tap mené notamment en sa résidence officielle, té vinn gagner des organisations dans les 10 départements du pays, des organisations de la société civile qui té estimé yo même tout fòk yo parti pour dans débat et té gagner des délégations que premier ministre té voyé en région dans les départements pour que gagner un véritable débat, un véritable dialogue à partir de la proposition de pacte de gouvernabilité. Ça veut dire ça qu'est-ce qui est fait? Vous dites sur pacte de gouvernabilité qu'est-ce qui fait? Eh bien ça me dit la même, c'est un ramassé de ensemble propositions acteurs qui t'a participé dans pré-dialogue là. Parce que les paroles t'a fait comprendre que c'est pour moi tu as tout venir avec d'autres. Non, il n'en est pas question. D'ailleurs, son document de le li commencer élaboré en termes de premier draft à jodia non pas faut toujours combien modifications que li rive joindre à chaque fois que gagne des acteurs qui chita yo gagne des sensibilités particulières gagne des bagages qui plus intéressé yo que l'autre yo fait des propositions ou obligé tenir compte de propositions ça yo au fur et à mesure que temps passé acteurs yo a entré dans joute là c'est un document qui en perpétuelle adaptation, réadaptation au fur et à mesure des éléments qui a intégré là-dedans. Et je dis, la bagaille est beaucoup plus démocratisée toujours, dans la mesure où il y a un site internet qui c'est le www.pghaiti.com, P pour pacte, G pour gouvernabilité, donc www.pghaiti.com, côté que n'importe citoyen Sergino capable d'aller sur cet internet ça prendre connaissance de état actuel pas là dans mouvement que l'a naviguer sur internet là et dit mais avec qui pour que le d'accord mais avec qui pour que le pas d'accord et lui même mais qui ça t'a suggéré comme ajout et ensemble éléments ça c'est des éléments que gon équipe cap travaille sur yo pour que pas là reflète exactement ça ensemble acteurs yo sa société en général l'exprimer comme aspiration. Est-ce que tu as dit, je précise là, Pascal Adrien,
PAC, le document ça je dis, il reflétait tout ça, puis faut secteur dans le pays à penser sur la réalité sociale, politique et économique du pays. Exact, en termes de consensus. Et là, les plus loin toujours. Lorsqu'on dit sur le plan politique, social, économique, ou d'accord avec même que vous faites le tour de la question. Politique, économique, social, donc c'est fini. PAC l'a tellement animé quelque part de volonté, ou encore proposition, démarche là, tellement inscrit dans l'objectif pour nous joindre un consensus réel. En plus de éléments politiques, social, économique, global, gagner des spécificités. On va pas regarder en dedans PAC là. La question de Petro-Caribe comme irritant particulièrement, c'est une question à part. La question de la lutte contre la contrebande, contre la corruption, c'est des questions à part. Tout un ensemble de l'autre élément pour que nous, même comme société, nous disons, oui, il y a des problèmes. C'est normal pour qu'il y ait des problèmes. Toute société est sujet à ce qu'il y ait des problèmes. Mais ce qui est important, c'est qui leadership que nous avons assumé pour que nous disions, les problèmes existent, mais c'est nous-mêmes qui pouvons résoudre. Et pour nous résoudre, c'est dans le dialogue, pour nous entendre exactement, quitte nous dans le pouvoir, quitte nous dans l'opposition, mais qui formule consensuel, nous entendre nous sur lui, pour nous mettre la société comme priorité. Donc c'est ça la démarche. Il n'y a pas rien à voir avec des gens qui sont au pouvoir, qui accrochent à une conjoncture. Mais c'est oui, nous avons une conjoncture de crise, notamment politique. Mais aller au-delà de la conjoncture, demander pour tout petit pays à mettre d'accord. Regardez. Ni moi ni vous, c'est très souvent, nous avons des acteurs, notamment acteurs politiques, qui ont fait allusion à la République dominicaine. Et il y a toujours, mon cher, à un certain moment, les différentes élites se sont réunies et ont été entendues sur un projet de société. Et la République dominicaine, je vous dis. Il y a différents, l'autre exemple, qui lié à des pays qui en Asie, des pays qui en Afrique, je dis à regarder le Rwanda qui lentement mais sûrement a avancé, alors que en 94, on connaît ça qui s'est passé entre les toutes si et les Hutu, génocide, monde mouri et la trier. Mais qu'on leadership qui entre dans la question hein, et qui dit voilà le projet national. Donc je dis en Haïti, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quel est le projet national? Est-ce que nous avons dit pas gouvernabilité, c'est ça l'objectif là, et ça lié au dia? C'est ça l'objectif. C'est au-delà de toute chirépie de division, définir le projet national. Mais est-ce que tout ça, tu as dit, si nous avons pas que je dis, dialogue là fini? Dialogue là permanent. Parce que justement, leurs différents acteurs chita, ils ont dit, mais qui ça a mais maintenant qui est libre au aller. Mais il faut continuer à veiller sur l'autre. Il faut continuer à dialoguer avec l'autre. Parce que, en tant que sous papier, c'est une étape. Arriver à implémenter ça sous papier, c'est l'autre étape. Parce que, comme vous l'avez dit, tant au niveau politique qu'au niveau socio-économique, nous tous comme acteurs, pouvoir, opposition, société civile, nous entendons ce projet national. Là. Mais ce projet national, pour l'arriver à implémenter, ça prend des politiques publiques qui doivent implémenter en dedans appareil l'État. Ça prend évidemment d'autres réflexes, là quand on fait politique, pour nous connaître mais qui limite qui est acceptable, mais qui limite qui pas acceptable pour intérêt pays. Mais ça passe d'abord par opérationnaliser, mise en œuvre de politiques publiques. Mais à ce moment, dialogue là obligé permanent dans la mesure où faut nous toujours assurer nous que nous dans bon chemin. Faut nous toujours assurer nous que ça nous entend nous sur yo hier matin, c'est effectivement yo 1 2 3 4 qui prend forme notamment dans l'état. Les gagne un problème, faut nous une qui entend nous que gon dérive, on corrige l'ensemble. C'est ça l'histoire d'une société qui gagne des monde responsable là-dedans lui. Entend nous sur une question, c'est une mais continuer de dialoguer en permanence pour que nous assurer nous ça que te dit yo c'est yo qui a fait et si jamais il y a des bagages qui te dit pendant y a fait là en cours de route nous rendre nous compte qu'il y a des problèmes que nous pas forcément attendre nous à yo permanence dialogue la mandé pour nous dire ah mon problème que nous pas anticiper sur lui qui j'a pour nous résoudre lui ensemble. Donc en gros son situation qui inscrit dans dynamique de permanence ça et qui transcendait tout acte généralement quelconque qui vive
dans le moment où on a parlé là. Ça qu'a fait là, c'est pour question de 2019. Ça qu'a fait là, c'est question de l'avenir de ce pays. Jodia, nous sommes en 2019, mais Serge Gino, 2019, ça n'a pas vivre là. C'est le résultat d'un ensemble de rendez-vous manqués dans l'histoire du pays. Garde ça qui est passé en 2004. Garde ça qui est passé dans la période coup d'État 87, 88 jusqu'à 90 et autres. Nous payons la facture de irresponsabilité acteurs à des moments bien déterminés. Mais ça fait trop de monde quoi, je veux dire, nous besoin aller vite, mais bien. Vite et bien, ouais. Non, ouais. Un ensemble d'acteurs qui t'assemblent, pas qu'on retrouve dans le document et qui même dit, et semblé, il faut que tu aies un peu de chita toujours fait avant d'arriver à Pâques là et voir un forum pour discuter sur Pâques ça. Annoncer jeudi a tenu un forum sur Pâques gouvernabilité. Parce qu'elle a dit, n'est-ce pas aller trop vite en besoin? Je ne le dirai pas. Par contre, le Premier ministre est d'accord avec le Premier ça ou dit, acteur ou dit, nécessité pour que plus chita attendez. Son obligation, faut que plus chita attendez. Et je dis, le forum n'a pas dit, gon dialogue qui a commencé 21 novembre 2018 et puis 22 janvier 2019, dialogue là abouti, tout bagay fini. Ce n'est pas ça le forum n'a pas dit. Le forum n'a pas dit, si le processus qui a commencé 21 novembre 2018, je dis, à nous changer année. Nous en 2019, faut que tout citoyen connaît exactement qui côté nous y est. C'est ça le forum n'a pas. Ah bon? Faut tout citoyen qu'on ait exactement qui côté nous. Et un pour exemple simple, Serge Gino fait une proposition au niveau politique. Pascal Adrien fait une proposition au niveau économique. Au content que proposition pour là, Pascal a tenu compte de lui. Au content que proposition pas maintenant, Pascal a tenu compte de lui. Mais à un certain moment, faut que Pascal connaît ça, Serge Gino t'ait ajouté. Il faut que Serge Gino connaisse qui ça Pascal a ajouté. Parce que je suis content que l'élément économique pas là là-dedans, alors que le point politique que vous faites ajouter, je ne suis pas forcément rejoindre là-dedans. D'où nécessité pour que nous arrivions à un consensus approprié. Donc je dis, les gens pour la plupart, c'est des gens dans les 10 départements du pays qui étaient déjà dans le processus qui t'attendait en région, avec des représentants qui viennent. Pour regarder exactement de le yoté dans le processus chita attendé ya la caille par yo a jodi ya qui ensemble de modifications document li même li rive joine et maintenant que yo en face l'autre moun qui était dans le processus chita attendé ya tout qui gens ont capable joine en entente avec moun sa yo sous consensus par rapport à forme document doit gagner, contenu document doit gagner. Donc c'est ça la comme, démarche. Pour ça ne pas chercher consensus ça avant là le faire forum. Pour que ça ne pas t'assurer que puis faut acteur, surtout acteur politique qui généralement fait problème. Et on va chercher en tant qu'acteur d'abord avant d'aller dans forum, là ça tout le monde plus ou moins d'accord et on t'a sûr que nous t'a finalement un projet national pour je va parler tant. Mais ça l'a dit. L'homme chita avec Serge Gino. Nous venons en tant que Serge Gino. L'homme chita avec technicien, nous venons en tant avec technicien, mais à un certain moment, il faut que moi-même, et Serge Gino, et technicien, nous chita ensemble pour nous dire collectivement ce qui ça finalement, nous mettons d'accord. Et même le. Nous allons faire le public. Même le, ça fin fait. Non, mais ça participe dans une démarche de transparence. Ça participe dans une démarche de faire citoyen qu'on est, dialogue, qu'on parle à tout, son véritable réalité. Parce que je vous dis là, ça bagay la. À partir du forum, nan, même des voix qui pour élever pour yo dire pas d'accord, son contribution à processus dialogue là. Parce que le voix dit pas d'accord, son opportunité pour vous même pour rendre compte que pour qu'il résolve pas d'accord. Qui réserve pour l'exprimer. Et à ce moment, en nous continuer à faire effort pour que tout le monde entre dans la dynamique là. Comprenez mieux logique là. Lorsque un acteur dit li pas d'accord, mais il y a une raison que le mettre sur table là. Ou même comme mon cap dirige, ou une responsabilité au-delà de orgueil, au-delà de passion pour faire dépassement. Faire dépassement parce que ça qu'a fait là, c'est
l'histoire qui permet que à un moment de manière provisoire gon moun ki la gen des moun ki la dans l'état mais c'est des serviteurs publics que oui ça faire pas faire pour tête yo appelé à faire dans intérêt général là donc les gen des acteurs qui dit yo pas d'accord yo pas présent c'est encore le processus de dialogue qui gen possibilité pour que li avancer tenu compte de moun ki pas d'accord yo tenu compte de réserve que exprimé yo continuer au-delà du forum rechercher consensus ça parce qu'il est question d'Haïti parce qu'il est question de stabilité politique parce qu'il est question de développement socio-économique te dire pas d'accord mais dire pas là pas forcément présent dans forum or c'est la démocratie ça veut dire que des acteurs qui ca toujours pas présent mais pas oublié yon moun deux moun trois moun capable d'exprimer des positions. Donc, l'idée, c'est pas qu'il y ait personne derrière. C'est pour pas inclusif, non? Absolument. Mais inclusif, là, je dit, tout le monde, au fur et à mesure que le processus là a avancé, tout le monde appelé à participer là-dedans parce qu'il est question d'Haïti. Et pendant quel monde vous dit à la Sergino, qui a pris responsabilité personnelle pour le dire, il y a un débat qui a fait qui concerne l'avenir d'Haïti. Et que lui-même, comme haïtien, l'estime que le débat n'est pas important, ou encore le débat n'est pas concerné. Pas qu'un acteur qui a responsabilité ça. Ça qui arrive qu'à un certain moment, il y a une confusion. Quand un acteur qui ne pas comprendre que c'est l'avenir du pays qui a discuté là, qui ne peut pas faire dépassement à 100%, et qui continue ouais, que c'est un pouvoir, c'est un monde, c'est des individus. Son erreur que nous faisons plusieurs fois dans l'histoire du pays. Nous confondons les gens qui en charge avec les institutions. Le grand monde qui préside, le grand monde qui premier ministre, le grand monde qui ministre, des fois c'est eux nous, comme les gens qui étaient disciples de classe, nous, comme les gens qui étaient amis, comme les gens qui étaient dans le duel avec au départ. C'est eux qui nous étaient focus sur eux. Nous pas ouais dimension institutionnelle là. Or, je dis, la question, ce n'est pas un premier ministre qui rechercherait un crédit personnel, mais c'est un serviteur d'État qui investit dans un mandat pour que lui mène bac processus dialogue là, et qui jusqu'à présent avec un pile humilité, avec le sens du sacrifice, rivé fait tout l'effort possible pour nous joindre les deux bouts, pour mettre acteur Yoshita, quitte à ce que Genario qui continue pas d'accord, mais mieux vaut tard que jamais. Au fur et à mesure, tout le monde a privé rendu compte. Que sont questions d'intérêt national et pas qu'un acteur qui a décidé de fermer porte à un dialogue qui concernait l'avenir du pays, qui concernait l'avenir jeune, qui concernait l'avenir majorité. Là, après, il y a quelques acteurs politiques, Pascal Adrien, et il y a un qui dit mais pourquoi ça ne pas de mayonnaise à fin prend? Pourquoi ça ne pas de manger à fin cuite et puis d'avoir mis le sous-table, laisse à tout pays après ça prend, ou le noir courir, faire forum, pendant que y a des gens qui estiment que la TK a duré toujours, il y a des discussions qui ont fait toujours, il y a des ententes sur des sujets bien déterminés que nous sommes arrivés à joindre. Forum n'a pas un aboutissement ultime. Ça veut dire, demain 23 janvier 2019, dialogue là a continué toujours, quitte à ce que, dans la fin de semaine, sous base forum, ensemble de points qui arrivent à faire consensus sur, officiellement, le Premier ministre là, transmettre au président qui était bal leadership dialogue là. Et à partir de ce moment, c'est d'autres étapes dans le processus du dialogue. Sans moun sa yo? Pas sans moun sa yo, avec tout le monde. Mais autour d'une proposition, autour d'un document. Si vous ne passez rien avant. Il n'y a pas lié, non pas ça qu'on fait là. Eh bien, il va continuer que même ça, on a fait 2018 là. Mais pour y arriver si, il faut que le processus a commencé. Pour y arriver si, il faut que y ait parti pour une autre de processus de dialogue. Après ça, si on veut dire, nous avons pile pour une table de débat. Là, nous arrivons à mettre d'accord sur nous, nous avons engagé nous. Mais pour nous arriver à mettre d'accord, il faut que nous commençons par Chita. C'est ça que fait. Les deux bons temps pour un acteur rester cohérent et comprendre conséquences ou encore impact chaque attitude, chaque déclaration. Si me dit que moi ta souhaité si yen, mais ça veut dire tout que d'abord forme chita. L'homme chita
m'a gien des points que me d'accord, m'a gien des points que me pas d'accord. Mais comme dialogue là lui-même, c'est sorti dans différents extrêmes joindre nous dans mi-temps. Et ben n'a fait j'ai fois pour nous joindre nous dans mi-temps. Pas parce que nous d'appeler joindre nous dans mi-temps vrai. Parce que grand acteur qui trouve le nom extrême à gauche ou à droite. Dès lors que l'on a conviction que le coup à 100% dans conception idéologique yo. Ouais, l'orientation, ça doit être fait etc., etc. C'est dans l'extrême dans que le tas souhaité rester. Mais dépassement, vous l'avez dit, même le ou même vérité pour là, c'est dans l'extrême gauche, c'est dans l'extrême droite que l'État va inscrit. Si pour le bien du pays, nous obligeons de rencontrer dans la mi-temps, il faut que nous fassions effort pour nous retirer, mettre à côté quelques éléments pour nous dire en nous jouant l'autre là dans le centre là. Parce que y a une métaphore que nous aimons employer. C'est comme si nous regardions son maman qui est sous cabane de l'hôpital. Maman en agonie, maman presque mourit. Mais maman a gagné deux petites. Petite ça n'a pas forcément bien entre eux. Goumen, chiré, petite, pour plusieurs raisons. Mais dès lors que maman est sous cabane de l'hôpital, maman risque de mourir. Si moun yo obligé de faire dépassement, parce que ont un bien commun, qui c'est maman que yo sorti dans Zantra Elia. Faut que yo chita pour yo dire en entend nous pour nous sauver maman. Et à ce moment, gagon dit mon cher, on a le prêter dans voisinage là. On rele famille yo là-bas. Parce que si je dis c'est pas conflit que nous gagne avant nous. C'est pas zo que grand frère te bâti frère nous. Mais c'est maman qui priorité. C'est la même chose pour Haïti. Mais pas une impression non qu'on arrive là parce que nous t'entendez des voix dans l'opposition radicale là qui toujours été sous position, c'est de Michel Pandé. Bon, et mais c'est ça m'a dit là oui. Le maman malade, maman risque de mourir. Nous même comme petite, faut faire dépassement. Si nous pas faire dépassement quelque part, c'est peut-être que nous pas fait nous comprendre que maman presque mourir. Mais c'est ça l'objectif du dialogue là. Faut aller parler avec docteur pour confirmer pour nous tout bon vrai que maman presque mourir et monsieur est certain. À ce moment, chaque monde a commencé à crier. A commencé à animer tout de volonté pour nous rencontrer dans le chemin pour nous acheter sirop, acheter médicaments pour nous sauver maman. Donc c'est ça pour ce dialogue là je dis. C'est juste nous qui monde fier de pays je dis là. Personne. Ou même comme monde qui est habitué voyager. Quel que soit le côté arrivé sur la terre, nous ne pouvons pas rendre compte que les Haïtiens ont débarqué dans l'aéroport international. Passeport qui est dans mon là, c'est presque fait de ou un monde qui suspecte, qui est obligé de garder de la tête aux pieds, etc. etc. Qui est-ce qui fait de la situation du pays? À personne. Donc, je dis à la, pas de battre l'estomac, primature, la présidence, le ministère ceci, le parlement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas de battre l'estomac, je dis à la, que bon, il y a une capacité de blocage. On va mettre dans la rue, depuis nous disons pas d'accord, on a bloqué les bagages. Ce n'est pas ça qu'on parle aujourd'hui là. Il y a des millions de monde qui vivent dans la pauvreté. Il y a des millions de monde qui vivent dans la déchéance. Des monde qui n'ont pas à manger, Sergino. Des monde qui n'ont pas à l'école, pas à l'hôpital. Tout élément de base pour un monde vivre dans le monde. Yo. Pas existe aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont sans espoir aujourd'hui là. Alors, ou même comme monde qui est en situation de leadership, que on a pouvoir, qu'on a opposition. Pour que ce n'est pas ça prioriser. L'envie est. Et ça, Sergino, permet que m'excuser par rapport à l'émotion que je viens d'avoir, le map dit ça. Vire jour, regardez les gens qui vivent sur le soleil, dans le ghetto, le stilesco, la forcette, raboto et autres. Vous prenez compte que, quel que soit le problème que vous avez avec un haïtien pareil, si c'est avec le chita, pour vous mieux être pour mon salaire. Vous êtes obligé de chiter avec elle. Mais de 21 novembre, je vous dis, on va arriver à faire un pile d'acteurs politiques. Certainement. Pour certainement. Mais je attendez. Non, mais attendez. Parce que pas vous attendez, venez joindre nous. Ils ont acteur. Ce n'est pas venu joindre nous. C'est ça la différence là. Ce n'est pas venu joindre nous. Il y a un qui est dans le processus de dialogue là. Ce n'est pas un monde qui dit, on va quitter toutes sortes de quoi pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas ça qui a parlé là. On va pas de ça venir joindre au niveau de la presse. Ah, ok, non. Si nous faisons, nous comprenons tout au niveau de la presse, au niveau de la presse, je dis à ma capable de gagner certaines voix discordantes. Mais là, on a parlé de Haïti. C'est, on a parlé de plus de 11 millions de monde. Et je dis à lundi la presse, tout, qu'on est d'accord ou pas d'accord, gagner des gens
même si on t'a pas représentatif de 10 000 monde, de 20 000 monde, de 100 000 monde, yo gen accès pour yo parler dans la radio. Est-ce que si gagné 2 millions d'haïtiens qui décédé maintenant qui voit pour engager pays a le map fait balance là. Est-ce que c'est yon moun qui on voit discordante que on doit prioriser ou bien la majorité qui décide avancer vers une direction. Jodi a sans nous pas entrer dans quelle dynamique d'orgueil, dans quelle dynamique de minimiser personne, ce n'est pas de ça qu'on parle là. Il est important pour nous prioriser l'intérêt supérieur national. Mais l'important tout, comme nous en démocratie, pour respecter position, quel que soit acteur là. Acteur là libre pour comprendre le processus de dialogue là, yon jan. Il y a plus de monde qui mourit pour ça. Pour que l'on pouvoir ou bien des monde dit on fait à gauche, qu'un autre monde qui dit on fait à droite. C'est ça la démocratie. Il peut paraître douloureux, mais c'est choix ça que société a fait. Mais, mais avec médecin, puis mon croit que c'est tout le monde la donne. D'ailleurs, c'était tout c'est encore tout le monde la donne. Et on va regarder matin hein, comme TNH parle en direct, on va prendre compte que il y a des gens qui réclament de l'opposition, cap là. Il y a des gens qui ont le pouvoir, cap là. Et je n'ai pas besoin de parler de société civile en général. Tout le monde là-dedans, là, pas voulu dire que il y a 11 millions d'Haïtiens, il y a 12 millions d'Haïtiens qui décident subitement, ils ont réfléchi même gens. Mais les acteurs disent que c'est un choix médiatique que nous faire là. Ils sont libres de dire ça. Encore une fois, c'est acquis démocratique qui permet qu'ils s'expriment comme ça. Et nous sommes en politique, nous n'avons rien de contradiction. Mais ça qui est important, ou même comme journaliste, lors de nos comptes que pendant 5 heures d'horloge, que des citoyens qui sont sortis Jérémy, qui sont sortis au Cap, qui sont sortis Port de Paix, qui sont sortis Fort Liberté, qui sont sortis Inche, qui sont sortis Miragouane, au Caille et Latrier, qui décident de chita autour du problème pays, qui a cherché consensus. Pour nous attendre nous sur un qui choye. Lorsque nous compte que après forum là continuer gen chita attendre pour consensus là véritablement national pour que tout le monde rive là-dedans j'en dis là eh ben l'histoire a dit si tu gen show médiatique avant oui tu gen des show médiatiques avant mais à un certain moment en 2019 le 22 janvier particulièrement il y a des haïtiens qui te dit on lever défi là lever défi a veut dire en au moins une fois prouvé au monde entier que nous chita entre nous. Et l'on chita, ce n'est pas pour nous jouer, ce n'est pas pour nous voir tout à l'une sous l'autre, mais c'est pour nous reconnaître la différence, nous, pour nous reconnaître la diversité. Yo. Mais pour nous dire, comme c'est de Haïti qu'il s'agit, qui côté nous capable de réunir dans le monde là pour nous entendre nous sur un kishoy. Est-ce que nous devons faire avec la caméra, dans le café, loin caméra, loin la presse, là, ça va peut-être acteur à l'aise pour faire. Exposé, garder irritant yo, et puis finalement, mettez-vous d'accord sur un pack avec nous, non? Ou pas capable à planifier des bagailles qui concernent l'avenir pays à au plus haut niveau pour faire l'imbattable. Faut gagner transparence dans la question. Faut que chaque acteur, comme c'est de pays à que nous avons parlé, yo senti yo pas gêné pour yo ba exactement qui ça comprendre. Mais il y a des acteurs, c'est sûr que vous vous rencontrez qui ne sont pas d'accord avec elle. Qui ne sont pas d'accord que la presse connaît, que vous rencontrez, non? Non, ça c'est une autre question. Là, dans le cadre de dialogue, là, ça qui arrive, il y a des gens qui disent on fait des rencontres sur le boiseau. Et d'ailleurs, oui, pas une fois que je parle, que je hasarde pour commencer à citer des noms, des gens qui sont en opposition, qui te chita, qui te parlé, ça a été dit. Pas une fois. Mais même là, nous faisons des différentes rencontres sur le boiseau. Nous pas forcément rendre au public et la trier à un certain moment comme nous tous ces pays à que nous avons cherché prioriser faut nous capable réunir pour nous dire exactement mais qui dépassement nous arrivons fait pour nous mettre pays à sur le développement c'est de ça que nous avons parlé nous pas parlé de monde qui passe dans l'état pendant un an pendant deux ans pendant cinq ans mais nous avons parlé de serviteurs publics monde qui n'a pouvoir monde qui n'a opposition l'autre monde qui n'a société civile là qui doué pour une fois dit, nous-mêmes comme haïtiens, nous avons un cerveau, nous avons réfléchi. Si nous avons réfléchi, réflexion yo pas forcément même, en chita pour nous croiser réflexion yo pour nous jouer dans qui choye. Ce n'est pas tout le temps ces étrangers
qui pour porter des projets pour nous. C'est pas tout temps ces étrangers qui pour dire nous le sou qui route pour nous engager nous. Une fois faut regarder comme grand monde. On ne pas quitter mon ra les oreilles nous tout temps. On chita pour nous définir ce grand projet de société, ce grand projet national et encore une fois en grand monde pour chita pour nous implémenter pour que dans 30 ans Sergino le moi même une grand monde n'importe monde qui t'a invité dans l'émission pour me garantir me fier que à un certain moment nous t'a parlé de dialogue qui t'est porté fruit parce que jodi a gain l'école gain l'hôpital gain courant gain stabilité politique pays a commencé à boumer pour prendre leadership Caraïbes là pays a commencé à boumer pour que au niveau de l'ONU li gon voix qui beaucoup plus respectée dans cadre nouvelle technologie information communication haïtien a pas avancé nous gain université et de ça qu'il s'agit aujourd'hui et ça prend des incompréhensions ça prend des réactions discordantes jusqu'à ce que nous arrivions dit en joignant un consensus là pour une fois parce que les questions d'Haïti mais non pas de monde qui a un certain moment en dans pouvoir ou en dans opposition. Mais généralement, l'autre qui était dans l'opposition radicale, là, qui est généralement capable de constituer comme une capacité de nuisance, là, et qui a peut-être créé tout problème que nous connaissons, que de vivre en 2018, là, est-ce que là, vraiment, la finalité du dialogue, là, ou pas qu'à questionner, non? Bon, c'est Juno, sauf que ni moi ni vous dans le pays, là, nous rendons compte que nous avons certaines accalmies. Ça gagne un mois, ça gagne deux mois. Ça gagne un mois, ça gagne deux mois, c'est juste nous t'a venir là et pas de ça nous t'a parlé. Nous t'a pas parlé de la rue qui bloquée, nous t'a pas parlé de problèmes à gauche à droite, mais on va suivre aujourd'hui là, on a parlé de dialogue, on a parlé de forum, on a parlé de shit attendez. Donc comme le capable gagner en pile avancé qui fait. Comme premier ministre par un monde qui a cherché crédit personnel. Nous pas obligé d'entrer dans détail pour nous dire bon, nous battre stomac nous, c'est nous qui avons fait. C'est le PMCA qui a fait. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a pile route, il y a pile chemin qui parcouru pour bon à calmer ça que le pays a connu dans le moment. Et c'est grâce justement à dialogue qui est enclenché. Grâce à l'effort pour t'en dire l'autre là. Sans arrogance, sans voyer tout ya. Parce que à la fin de la journée, nous n'avons pas réussi sans l'autre. Mais quelqu'un qui dit que ça a été quand même fragile. Hein? D'où nécessité pour que dialogue là continue à avancer. Bon, avec tout acteur. Parce que je ne sais pas quoi, ni pour le ministère, pas quoi, il y a un faux acteur. Il faut dire là, il y a des acteurs sur scène, dans la société civile, dans le pouvoir, dans l'opposition, qui méritent de contrer pour que vous disiez qui ça pour nous faire avec le pays. Ça, que Dessalines qui était pour nous, que Christophe. Pétion et autres qui étaient pour nous, qui sont en France en Marvel. Parce que tu as l'ordre qui est fort. Et je me dis là avant tout, capacité de nuisance. Mais à la fin de la journée, c'est juste. Ça, c'est les capacités de nuisance. Ça, c'est. C'est capacité pour m'empêcher de DG à la douane ouvrir. Donc, pour me faire l'État par entrer comme. Et qui dit faire l'État par entrer comme, dit pas qu'à gagner investissement public pour permettre que. Peuple là joindre des services de base que le besoin. Qui acteur aujourd'hui qui veut passer dans l'histoire comme un monde qui était uniquement en capacité pour empêcher société à quelque part développer. Personne ne va t'arrêter ça. Voilà pourquoi Fomre l'eau, Sergino, me dit Sergino, sort les capacités de blocage là à la fin de la journée. Ces capacités pour que nous continuions à marquer pas sur place là. Pour nous décoller. Pour société a véritablement avancé, faut développer l'autre capacité. Quelle capacité? Capacité pour que nous gagnions écoute, capacité pour que nous tendions et capacité pour nous faire mise en commun, mettre ensemble ça plusieurs mondes pensées pour nous développer pays. C'est capacité ça République Dominicaine gagne aujourd'hui. C'est capacité ça que Rwanda gagne aujourd'hui. Pourquoi pas Haïti? Ça commence par le dialogue qui se fait maintenant. Mais son processus permanent, donc a toujours bon effort pour nous dialoguer, a toujours bon effort pour nous contrer dans un de plan pour que nous baillons pays à priorité, pour que nous disions vraiment Haïti que nous déprioriser dans ce dialogue-là. Haïti que nous débattons nos moyens pour nous implémenter des politiques pour que nous coupions fâchés avec problème.
les vignes Haïti rénovées, une Haïti que nous sommes fiers de lui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et c'est vrai là pour aller, c'est Gino. Pas de route, pas de bois. Maintenant, comment ça va le passer? Discussion va dérouler autour de qui ça? Qui est qui autorisé pour faire point de vue le passé dans le cadre d'activité ça? Il y a bien différents ateliers de travail. Parce que pas oublier, l'ordi, près de 400 à 500 personnes au centre de convention de la BRH. Et quelque part, 500 personnes ne peuvent pas parler d'un coup. Donc, obligé de subdiviser dans plusieurs ateliers. On ne peut pas faire tout le carnaval. Ce n'est pas ça. Et heureusement que TNH a en direct. Évidemment, sur le plan méthodologique, gérer ça a demandé en pile capacité. Et ces capacités, ça a que certainement, à partir de 9h, que tout le monde qui est engagé dans la démarche planification et gestion journée, pourra le dégager comme j'ai fort. Pour que l'arrivée passe en bonne et en due forme, l'idée est passée, l'idée est exprimée, le consensus là commence à se joindre, gagner nécessité pour une harmonisation entre différentes idées, différentes propositions, et à la fin de ce mois, document de consensus à partir de tout ça qui est ramassé déjà comme l'idée dans le cadre de Chita Tandéa, là, gagner pour le présenter officiellement. Et c'est sur base de documents, ça une fois encore, que le dialogue là a continué avec tout secteur, avec tout acteur, y compris en Haïti, y compris en diaspora, pour que nous rendions nos comptes tout bon vrai. Nous toujours à l'écoute, nous toujours à veiller, nous toujours à faire effort pour que nous implémenter. Et ça, a ben nous trois bagailles. Une première bagaille, c'est la stabilité politique, que aucune société pas qu'à développer sans lui-même. Et de l'autre bagaille qui c'est développement social yon bon, développement économique yon l'autre bon. Maintenant, moi dans un document, un comité suivi que tu as nommé qui campé. Certainement. Maintenant, ce qui base et qui critère pour nous dans un comité ça. Tout ça, c'est consensus en différents acteurs. Yon. Par exemple, quel monde qui parle à Roger le doigt pour le dire, mon cher, comme si c'est un examen, m'a mis et autres. Donc, ça, lui-même, au fur et à mesure que nous avons fait dialogue là, au fur et à mesure que nous avons créé confiance là, nous avons besoin de la meilleure formule pour nous monter ensemble ce comité de suivi. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que tout le monde continue à sentir que ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on a fait. Les jeunes ont monté sur Internet, ils ont une idée. Ils ont rendu compte que l'idée, ça, quelque part, ils ont trouvé dans le document. Donc, ce qu'on a fait là, ou pas qu'à dire que c'est affaire, n'est qu'à faire politique, n'importe quoi, mais c'est affaire société en général. Les gens qui sont dans l'université Laval, par curiosité et par amour du pays, aller sur www.pghaiti.com, évaluer le document et lui rendre compte que l'évaluation par là, il a tenu compte de lui, à la fin de la journée, ou pas qu'à empêcher les gens fier pour le dire que lui-même comme haïtien, malgré le patron pays, il a contribué à faire le pays aller de l'avant. Donc c'est une démarche collective, son bagage qui engage chaque grand citoyen, y compris vous-même, qui avez regardé l'émission là, matin. Donc, pas gagner jouet là-dedans, c'est l'avenir qui est en jeu. En continuer, faire effort pour nous rencontrer à mi-chemin, pour nous joindre au consensus final là, pour nous développer le pays. Il y a une approche qui toujours fait dialogue nous, il y a une sincérité. Il y a une sincérité, c'est quoi le dialogue, ça, le sincère. Le sincère, dans la mesure où chaque grand monde rend compte qu'il y a transparence. Et cette transparence-là qu'on pose des problèmes des fois. Ou rend compte que ça qu'on dit en public là, généralement, en bas, on l'autre dynamique que acteurs engagés là-dedans, que le public n'est pas au courant. Voilà pourquoi, pour éviter critique de non-sincérité, ça, forum n'a fait aujourd'hui, pour tout le monde à clair de quoi il en est, de 21 novembre à aujourd'hui, et quelles sont les prochaines étapes, puisque le dialogue est permanent. Est-ce que Mounio, ou bien une certaine majorité, ou une majorité certaine, qui approprie le de ça mon document. Sous ça qui a passé en termes de trafic sur internet là par exemple par rapport à réaction Mounio, gon échantillon représentatif de plus de 50 000 réactions à moment qui favorablement accueilli démarche là. Quitte à ce que www.pghaiti.com na continue visité par le maximum de monde qui gagne accès à internet, mais pour ça qui pas gagne accès à internet yo, qui ça qui a fait? Eh bien, justement, dans cette convention BRH, l'arrière-pays sera là.
et dans le cadre de ce qui vient en termes de continuer le dialogue, il y a toujours une possibilité pour que il y ait un débat qui fait en dans le département eux-mêmes, en dans la commune eux-mêmes, en dans la section eux-mêmes. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde doit être là-dedans pour que le consensus là, ce n'est pas un consensus entre deux grands mondes, entre trois grands mondes, mais c'est la société là, dans toutes ses composantes qui arrive à entendre ce qui route avec orientation pour le prendre, pour le sortir dans la boue, pour le sortir dans la fatra, pour le sortir dans la malcité. Comment parler de l'échantillon, c'est que tu as tenu compte d'acteurs dans l'opposition et politique, pour le parti qui est proche du pouvoir, ou je dis à par rapport à ce qui est comme donné, moun sa yo tout, acteur sa yo, ou estime grand pile là-dedans qui confortable à ça nous va faire jodi a grand pile là-dedans yo qui comprend nécessité pour que ça quoi le fait matin là li fait quitte à ce que yo exprimer une position divergente par rapport à ça moun qui en dedans yo a parlé mais tout moun rend yo compte de nécessité pour que à mi-chemin nous chita nous dialoguer. Quitte à ce que je ne peux pas faire concession sur des points bien déterminés. Mais son processus, je suis capable de mettre un point à côté aujourd'hui, mettre à côté demain. Je suis capable de mettre à côté demain, mettre à côté dans deux mois. Mais ça va demander que finalement, je me rends compte que l'acteur qui est en face de moi, Jean-Tabzil Daleur, est animé de bonne foi, est animé de sincérité. C'est l'intérêt pays à vrai qui est priorisé. Et le ça, on va prendre compte. Même moun ko rele irréductible, extrémiste et autres, dès lors que yo rive pa mete yo d'accord que c'est de intérêt Haïti que n'a parlé, y a privé faire des concessions pour que ensemble nous pas quitter maman mouri. On ka des positions divergentes mais quand même choisir une faire valoir position ça. Mais les mêmes positions divergentes et parler d'une faire valoir, ça va pas me déranger équipe primature, ça va me déranger équipe cap mener dialogue là. C'est pas question de déranger équipe primature ou bien mon cap mener dialogue là, non. À la fin de la journée, c'est qui ça cap déranger Haïti. Tout ça cap déranger Haïti en suspendre faire. Tout ça cap mettre Haïti à l'aise en commencer faire. Jodi a par rapport à état pays a là. Tout le monde obligé d'accord. Faut acteur yo dialoguer. Faut haïtien parler avec haïtien pareil. Le nous parler ça arranger pays a. L'un ne pas parler, l'un décide de ne pas parler, ça dérange le pays. Donc, je dis, nous ne pouvons pas poser problème en termes de ça déranger primature, en termes de ça déranger pour le ministre. Mais la question, est-ce que si y a des acteurs qui t'a mérité, présent, fait valoir l'idée, qui décide en toute indépendance, conformément à la démocratie, yo pas venu, yo pas mettre pied. À la fin de la journée, ou même quand regarder mission là, posez cette question. Est-ce que ça arrange le pays là, ou bien est-ce que ça dérange le pays là? S'il dérange le pays là, eh ben faut que j'ai fort qui fait pour que nous chita même là nous pas d'accord et là nous pas d'accord, nous chita son possibilité pour nous commencer mettre nous d'accord sur des accords nous. Après forum non, prochaine étape on fini. Prochaine étape c'est remise officielle de yon document qui censé consensus minimal qui rive joindre au départ là dans cadre un document que premier ministre la promet officiellement à président qui était bal mandat et sous base document ça a continuer gain dialogue jusqu'à ce que nous rive rendre nos comptes de bonne foi tout le monde jusqu'à ce que nous commencer implémenter tout ça que nous prend comme décision dans quatre documents jusqu'à ce que nous arrivions à créer stabilité politique là jusqu'à ce que nous arrivions à faire développement social et économique là blaï pour tout haïtien dans quatre autres coins pays. Pascal Adrien m'a prendre ce porte-parole pour le Jean Isseyam de content parler avec vous matin merci en pile et puis après fournir regarder qui ça parle gain après et puis pour peut-être faire une discussion autour de documents mais consensus que nous pourrons joindre suite à organisation forum ça. C'est mon premier sur son plaisir partagé. Ou même qui t'a regardé émission ça connaît bien ça qu'a parlé à c'est avenir pour vous. Donc pas arrêter à l'éca fait l'ido passer ou gain accès à internet www.pghaiti.com continue intervenir dans toute émission libre tribune pour tout haïtien rendre compte ça qu'a fait là c'est pas une affaire pouvoir c'est pas une affaire opposition mais son affaire Haïti que ensemble
nous avons une responsabilité pour nous sauver. Merci. Voilà, notre invité ce matin, Pascal Adrien, porte-parole du Premier ministre Jean-Henri Séa. Merci en pile, vous êtes avec nous en direct. Nous vous passons une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.